Salut tout le monde, encore une nouvelle vidéo aujourd'hui concernant la pomme de terre rouge. Donc je l'ai trouvée hier, mais je vais vous remettre là où je l'ai trouvée. J'ai trouvé la pomme de terre rouge quand je suis allée chez Rémi. En fait, ça brillait comme ça et j'ai ouvert le placard. Et je suis tombée sur une pomme de terre rouge. Un ingrédient bizarre trouvé dans le frigo de Rémi, quelle recette pourrait-on faire à partir de cela? Et pour savoir quelle recette on doit faire, on va aller voir dans le monde de Rémi. C'est pas facile à voir sur les post-it ici derrière moi. Alors, je prends mon appareil photo. Je change le format, je tourne un petit peu. Et là on voit en 1 les points d'interrogation. En 2 ça ressemble à de la glace. En 3 ça ressemble à du poisson. En 4 c'est un fruit. Et en 5 c'est un légume. Et donc il faut qu'on trouve une recette avec ça. Donc nous ce qu'on a c'est une pomme de terre rouge. Donc on va essayer de trouver tous les ingrédients rouges qu'on peut faire faire une recette. Alors, comme j'ai pas du tout de glace, je crois qu'il n'y en a pas ici non plus, je vais aller chez Rémi. Nous y voilà. Ah, j'ai de la glace. Bon, j'étais un petit peu quand même. Et notre recette, alors, on a dit qu'il nous fallait notre pomme de terre, de la glace, ensuite un poisson rouge, on va prendre du homard. Un fruit rouge, une framboise et un légume rouge, ça peut être un piment. Et on va voir si on peut faire une recette avec ça. On obtient un ragoût rouge glacé beurk, une nouvelle recette. Donc on a ça, un gombo fait à partir de divers ingrédients rouges qui se trouvent là. Je me demande ce qu'Antoine Ego dirait de ça. On va retourner. Dans le monde de Rémi. Et donc, Anton Ego. On peut interagir maintenant ici. Là, on a trouvé la recette. Et on peut y mettre notre ragoût. On obtient une potion rouge de furie. Cela redonnera du peps à ce qui n'en a plus. Ça ressemble très étrangement à notre potion dorée. Donc j'imagine qu'on va en avoir d'autres à trouver comme ça, mais je ne sais pas encore à quoi ça va nous servir. J'espère que ça vous a intéressé. À bientôt !